Madame, Monsieur, go bonjour, go bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial SILA sur Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington, D.C. Actualité au nom international, l'administration américaine a imposé une série de sanctions contre le pays la Russie après la mort du leader opposition russe, Navalny Alexei, et c'est tout. Date qui marquait dès l'année depuis pays la Russie était envahi pays Ukraine. Eh bien, non sans ça, Joe Biden, qui est président américain, décidé pour prendre une série de sanctions contre pays la Russie pour faire mettre pied sous terre, mesdames et messieurs. N'a pas rappelé au Alexei Navalny, qui était vraiment chef opposition dans pays la Russie, qui après mourir dans prison, eh bien, qui était dit, et accusation pas suspendre posé sous do Vladimir Poutine pour faire connaître c'est un président pays la Russie qui t'a touillé opposant politique alors que il était condamné pour le passé plus passé 20 ans en prison. N'a parlé de Navalny Alexei qui mourit en prison semaine qui saute passé là. Et bien dans ça divers moun nan international là, divers autorités parmi le président pays Ukraine Volodymyr Zelensky qui pas mettait de l'eau dans bouche li pour le critiquer et accusé président Poutine comme moun qui t'a derrière la mort Navalny Alexei qui était leader opposition dans pays la Russie. Toujours dans international là rencontre entre 20 pays qui pi riche dans monde là ça yo relé G20 qui t'a fait dans pays Brésil précisément dans ville Rio côté mesdames et messieurs Haïti les mêmes était au centre des débats et en pile promesse faite jodi a rencontre ça li fini pendant divers pays qui était là promettre pour supporter force multinationale national cap gen pour entrer dans pays d'Haïti pour venir combattre insécurité a et bien divers pays ça yo même yo prend engagement toutefois yo pas dit qu'il y a baïti ça yo promet là gagner le Canada qui offrit 80.5 millions de dollars pour que vraiment là mesdames et messieurs force ça capable joindre support gagner Jamaïque la France toutefois yo pas mentionné combien cob yo même y a gagné pour baï nan cadre force ça cap rentrer nan pays d'Haïti nan eh bien jou cap vin na yo selon autorité haïtienne yo avec autorité kenyane yo toute disposition gen tan pran pendant les États-Unis li même fait konnen genye yon quantité matériel qui déjà disponible pour mission vin et combattre insécurité nan pays d'Haïti et ta gen information qui sorti nan journal floridien Miami Herald qui t'a fait quoi divers matériel déjà dans le pays d'Haïti et ta gagné tout appel d'offres pour capable louer espace pour personnel mission ça capable loger mesdames et messieurs information nous mêmes nous confier avec métronome zami internaute mais toujours dans ça qui gagne pour avec pays d'Haïti gagné ancien sénateur département et sud-est là pardon on a parlé de eh bien Joseph Lambert même Jean avec ancien sénateur département la Tibonite Tangassa Delva qui gagne pour répondre une question devant et carré juge instructeur et bien Melan Belab. L'autre point dans l'actualité assassinat Jovenel Moïse réaction pas suspendre tomber et gagne Léon Charles nous connaît qui te remettre démission hier après non te fin cité dans ça qui gagne pour à complot pour te assassiner président République là, et bien Léon Charles lui-même qui confiait dans Scoop FM qu'il y a un pile parole pour le dire, il paraît pour la défendre tête li devant la justice. Toujours dans le pays d'Haïti, mais c'est dans l'opposition, et bien départ Premier ministre Ariel Henry et l'opposition a lancé mouvement Manche Longue à travers tout le pays pour exiger Premier ministre lui-même li quitter le pays d'Haïti. Qui vraiment depuis un bon bout de temps pas suspendre et bien connaît une situation qui très difficile et bien Premier ministre Ariel Henry qui te gagne pour le quitter pouvoir selon accord 21 décembre depuis 7 février 2024 et bien accord ça qui pas respecté ça pas empêché divers leaders politiques continuer à mettre voix ensemble et toute couche dans société à avocat et bien l'église pour ne citer ça seulement pas suspendre les voix pour demander Ariel Henry
démissionner dans tête pays d'Haïti pour éviter pays à plonger dans ça la plongée. Puis font en tout cas point ça on était content et eh bien présenté on a invité au aller sous la voix de l'Amérique pour suivre avec nous information si là yo mesdames et messieurs pour développement on a sorti directement de Washington côté n'a parlé avec vous moi c'est Jean-Louis Philippe et qu'a invité nous côté grand point qu'a dominé actualité a fait dans grand point qu'a dominé actualité a administration américaine imposé nouvelles sanctions contre la Russie après la mort leader opposition Alexei Navalny et puis dans l'occasion de 2 ans depuis la Russie était envahi Ukraine. Ministre Affaires étrangères groupe G20 pays qui plus riche sur la planète là retourné la caillou après 2 jours rencontre au Brésil pour discuter situation sécurité mondiale avec l'autre question intérêt général. En même rencontre ça, représentant 12 pays pour engagement pour bail support financier et technique pour déploiement d'une force police internationale aller en Haïti. En parlant d'Haïti, un groupe dans l'opposition a lancé manifestation sans prendre souffle pour forcer le Premier ministre Ariel Henry démissionner. Nous faisons encore un salut et ça c'est dans quelques grands programmes de minutes. On a commencé exactement ici aux États-Unis côté président américain Joe Biden. Eh bien, il a imposé nouvelles sanctions contre l'administration russe, mais contre le gouvernement russe pour 2 raisons. D'abord, c'est pour marquer 2 ans anniversaire depuis la Russie était envahi Ukraine. Et l'autre là, c'est la mort récemment leader opposition russe Alexei Navalny, Marius Fier. 2 years ago, shortly before dawn, Russian troops marched across the border in Ukraine. And Putin believed he could easily bend the will and break the resolve of the free people of Ukraine. Les États-Unis ont imposé grosses sanctions pour marquer 2e anniversaire invasion de la Russie dans l'Ukraine. Ils visaient plus de 500 personnes à quantité dans le moment où Washington a cherché à augmenter la pression sous Moscou. Le département trésor américain a visé presque 300 personnes à quantité. Pendant que le département d'État a été frappé plus de 250, avec le département commerce là qui a ajouté plus de 90 compagnies sous liste entité. Ça qui représentait une augmentation comparativement avec l'année passée, les États-Unis ont été imposé sanctions sur plus passé 200 monde à quantité pendant que domaine commerce là lui-même était visé 90 compagnies pour premier anniversaire de la guerre. Sanctions vendredi qui sorti dans les États-Unis ont venu en partenariat avec monde qui sorti dans la nation membre Union européenne à Grande-Bretagne. Action ça c'est dernier dans plusieurs milliers de cibles États-Unis à Calais il a été annoncé après invasion la Russie dans Ukraine 24 février 2022. Invasion qui était touillé plusieurs dizaines de milliers de monde et puis détruit Vilio. Wally Adeyemo, c'est ministre réseau adjoint États-Unis. L'important pour faire un bac et puis songer que c'est pas seulement Amérique qui prend action ça yo. Ou t'as dû attendre pour ouais sanctions à action pays qui fait partie coalition nous en prend tout qui concentré sur accomplissement objectif nous yo. Assurer que la Russie pas qu'à joindre accès à marchandises yo besoin pour construire zam yo vle yo. Et puis tout prend responsabilité pour ralentir accès la Russie à revenu yo besoin pour soutenir économie yo mais tout pour construire zam que yo vle pour pi devant. Dernière nouvelle, autorité ukrainienne a rapporté yon abeille russe frappé yon zone commerciale dans Pologne noire dans pays dans Odessa pendant la nuit là. Ça déclenché un du feu et au moins 3 monde perdu la vie. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Une actualité, l'armée Israël annoncé jeudi vendredi 23 février que il lancé yon frappe drone dans ville Jenin qui dans Cisjordanie. Qui occupé et depuis jeudi soir côté Lydi il touye ça les suspects comme un militant groupe djihad islamique là dans déclaration ça la mère a publié rapporté Yasser Hanoun c'était sur route pour la lancer une attaque avec zam la mère a dit Hanoun était con impliqué déjà dans attaque djihad islamique et si Jordanie ouais plus passé violence passé depuis attaque que Hamas a lancé sur Israël 7 octobre passé à notre cité parole force armée israélienne nous toujours dans l'autre nouvelle cap de l'actualité à dossier force multinationale pour sécurité en Haïti a été dans le programme G20 donc ministre affaires étrangères pays G20 donc pays 20 pays qui plus riche sur la planète là et bien côté et plusieurs participants promettent pour
assister ou pour aider dans plusieurs niveaux. Parmi eux, ils ont promis 200 millions de dollars États-Unis fait. Et puis tout et Canada tout lui-même tout lui fait une promesse tout Jacques Mélisère. Semaine ça, Andy, mercredi 21 à jeudi 22 février 2024, ça, Brésil qui a assuré présidence G20 depuis décembre, recevoir ministre Affaires étrangères pays 20 plus gros économies mondiales pour discuter principalement sous conflit mondial et changement climatique. C'était l'occasion pour te gagner plusieurs réunions multilatérales sur quelques questions importantes. Parmi eux, une rencontre États-Unis avec Brésil t'es organisée sous mission multinationale pour soutien sécurité en Haïti. Anthony Blinken, c'est secrétaire d'État les États-Unis. Haïti, yon pays qui près nous, qui près que Américains et Brésiliens. Nous voyons une situation qui a détérioré. Nous avons gagné une réunion avec plusieurs pays qui ont tous disposé de contribuer dans une mission qui vise à établir la sécurité en Haïti. Mission a été jointe à l'approbation des Nations Unies en automne dernier et nous sommes sur route pour réaliser. Kenya a engagé pour diriger la mission. Dans quatre contributions, Washington promet 200 millions de dollars, Canada, Bénin, la France, Jamaïque promettent pour protéger tout. Rideau tombé hier jeudi à sous G20 avec yon bilan. Ministre Affaires étrangères brésilien Mauro Vieira dans discours clôture mentionné appui de salrelé unanimité virtuelle mambio pour gagner en solution deux états dans région Proche-Orient la palais de guerre israélo Hamas. Pays mambio pays invité ak organisation internationale exprimé position yo sous wall G20 par rapport à tension actuelle yo tant kou deux principales conflits qui nan sans discussion yo nan groupe là nous voulons parler de Palestine ak Ukraine. Événement ça a déroulé pendant parlement israélien lui-même voté massivement yon résolution que premier ministre la Benjamin Netanyahu te proposé pour camper en quoi contre n'importe qui reconnaissance unilatérale pour existence état palestinien ça qui t'a voulu dire pour récompenser terroriste Hamas là que moun pas jamais avant ça. Secrétaire d'état américain Anthony Blinken mentionné démarche Washington dans guerre Israël Hamas là. Attention nous fixer en pile sur recherche un accord qui pour déboucher sur libération des otages et qui aboutit tout sur un cessez-le-feu humanitaire qui large. Secrétaire d'État américain a tout profité de forum ça pour critiquer la Russie par rapport à l'amour, ça fait 8 jours, opposant numéro 1 président russe là en parlant de Alexei Navalny. Concernant M. Navalny, m'a dit juste, il y a un monde qui est vraiment héroïque dans la ville, dans le travail. Mais le fait que Vladimir Poutine juge ça nécessaire pour persécuter, balle poison, mettre un homme comme ça en prison, ça dit en pile, pas sous force la Russie, pas sous force Poutine, mais sous faiblesse. Événement Rio de Janeiro a fini avec un paquet de demandes, parmi eux, demande pour établir une feuille de route avant sommet qui vient pour dérouler 18 à 19 novembre. Anessa, encore dans Rio de Janeiro. Jacques Lembélisère, VOA Creole. Alors, on dit que le sommet, la fin année, en novembre, Jacques Palinola, là, c'est le sommet côté, c'est le chef de l'État, ou face à eux-mêmes, qui va venir, mais cependant, et Brésil, qui s'est présidé, groupe-là, en ça, et bien, lui-même, lui-même, il est pour gagner une réforme dans les Nations Unies, et il espère que par le gain, l'autre, quand on a encore avec ministre Affaires étrangères, que l'État a fait dans New York, même, en septembre, non, juste pendant la période côté, Assemblée générale des Nations Unies, il y a un dossier que nous avons pour. Et puis, nous avons une organisation politique Famille Lavalas. Eh bien, il plaide en faveur pour mise en place un exécutif à deux têtes en Haïti. Donc, pour un président avec un premier ministre. Et puis, tout pendant qu'il a préclamé démission pour un ministre Ariel Henry ou Renan Toussaint. Sénat ambianceur. Différentes organisations base politique Famille Lavalas rencontrer la presse vendredi 23 février 2024 là pour dénoncer misère à calamité peuple haïtien à passer sous plan sociopolitique et économique et pour réclamer démission premier ministre Ariel Henry dans tête primature. C'est gourmet contre lui, même Jean-Jean a dénoncé dérive lui,
C'est gourmet, je dis, il faut comprendre contre l'État national là. Parce que je dis, c'est l'État national là qui est Ariel là. C'est l'État national là qui est là. Non, bataille de toute forme. Ou pas comme madame qui forme pour prendre. Ou pas comme une organisation politique féminine, mais qui forme de bataille pour le mener. Non, bataille de toute forme. Ça m'a fait là, c'est bataille, ma bataille. C'est la bataille, moi, là, pendant devant micro là. Que toute forme de bataille. Ou pas dire, mais qui type de bataille pour moi. Professeur Patrice Célestin, Youn nan représentant structure famille Lavalas, proposer yon exécutif bicéphale avec formation yon gouvernement salut public pour remplacer Ariel Henry. Yon gouvernement de salut public, jodi a la, qui pour remplacer Ariel, pour permettre jodi a pays nous gagne stabilité. Parce que pas que pays nous monde là, qui ka vivre, qui ka évoluer sans stabilité. C'est instabilité politique qui permet jodi a la, impérialiste là, li mette nous là. Pour mettre nous à goumer une à l'autre. Ce sont des grands monde, je veux dire, là, qui convertit tête, li, li, li bicéphale, li tout. Ça veut dire, li, li premier ministre, li, li président, li roi tout. Parce que pas gagné casé, pas imaïs, ça va gagner. Mais je veux dire, là, l'organisation politique, on a demandé, salut public, pour entrer dans la constitution, pour un gouvernement bicéphale. Quand nous, salut public là, li qui noir, simple. Le président, le premier ministre. Qu'on s'attend tout, li qui noir, un consensus, il y a trois présidents, et puis qu'on premier ministre. Parce que c'est clair. Premier ministre Ariel Henry lui-même, lui dit pas gain bagaille contre sa pièce, dans plusieurs déclarations le fait, dit ses forces multinationales l'attendent pour venir aider la police haïtienne rétablir la paix dans le pays hein, pour le capable faire ça y est, révision constitution hein, et organiser élection générale pour renouveler personnel politique là dans le pays d'Haïti. Oui, dans tout ça, pour VOA Créole, Port-au-Prince. N'a pas retourné ici aux États-Unis, que nous parlons de électeurs, dans l'électeur républicain particulièrement, dans la Caroline du Sud, eh bien, il va jeter bulletin, et dans l'élection primaire État, qui a déroulé samedi 24 février, entre ancien président américain Donald Trump, avec ancien gouverneur État Caroline du Sud, là, n'a pas eu de Nikki Haley. Cependant, que l'analyse qui fait, il dit que, ancien gouverneur, Nikki Haley, qui a traîné derrière candidat et l'autre candidat parti républicain n'a pas eu de ancien président Donald Trump qui s'en s'appelle dans l'intention de voiture, eh bien, il y a une chance là, l'État de remporter l'élection primaire la Kaili. Donc, une défaite la Kaili capable de poser en pile question sur durée que le pral fait dans l'élection au côté que jusqu'à présent, candidat parti républicain Donald Trump, il s'en sait lui-même et il cap dominé dans l'élection qui déjà roulé, que ce soit au niveau caucus ou bien encore élection primaire qui déjà déroulé et l'État semblé, d'avoir toute nouvelle, yo, tendance cap développé qu'on y a ta capable de duel, une répétition de duel qui te gagne entre ancien président Donald Trump qui était participé dans l'élection 2020 yo, avec président actuel ou président sortant la période de président Joe Biden. Donc il t'a une répétition même dossier ça encore donc ce dossier encore qui était ouvert pour nous que n'a suivi pour tout nous parler dans l'autre nouvelle qui censé parler de ici aux États-Unis militants cap défendre immigrants haïtiens qui étaient victimes coup de rasso dans mais on sait de garde national dans l'état Texas ça était passé en septembre 2021 et bien militants cap défendre immigrants ça yo et bien ont déposé plainte contre administration que tu veux rendre responsable ça qui t'est passé à et bien dossier a été devant un juge dans Washington DC et bien juge là li d'accord pour que plaignant yo donc avocat parti haïtien yo amendé plainte de déposer en 2021 donc décembre 2021 pour ajouter plus mon encore. Avocat cap défend groupe immigrant haïtien agent état Texas té usé à coup de rasso en bas pont del Rio au Texas en septembre 2021 capable amender plainte qui été déposée contre administration américaine en décembre même année pour ajouter plus victimes. J. Jacob prend décision pendant sa déposition jeudi 22 février dans Washington DC. Nicole Phillips, membre équipe cabinet avocat Haitian Bride Alliance, un groupe militant qui déposait plainte en faveur immigrants haïtiens. Très bonne comme ça.
Nous réussissons, c'est parce que Mirad Joseph, il était là avec nous dans la salle là. Et Mirad Joseph, si nous bien songeons, c'était lui-même qui était gagné en photo de lui que et policier. Voilà, policier sous cheval, t'es frappé en corde sous lui. Donc lui-même, lui aux États-Unis, il était en dans tribunal avec nous. Donc ça, c'est une gros victoire. Donc nous gagnons monde avec nous. Donc ça, c'est un dossier qui est très, très important pour la justice pour Haïtiens. Le gouvernement américain a demandé au tribunal là pour jeter le dossier dans la poubelle à cause des militants qui n'ont pas capable d'ajouter l'autre victime dans le dossier qui n'a pas de mérite. Après 25 minutes de position, le juge dit à Jacob, avocat plaignant, jusqu'à 8 mars pour amender plainte là. Et puis, le gouvernement lui-même, une semaine pour répondre. Galine Joseph, c'est directrice exécutive et Haitian Bridge Alliance qui est basée dans San Diego, en Californie. Non, tout le monde qui parle là, nous avons bataille pour une justice. Et justice là, il doit gagner plusieurs et résultats. Alors, parce que qu'à continuer dans la justice, nous n'avons pas capable de toute information. Mais ça, nous sommes capables de dire, c'est que nous avons continué la bataille côte à côte avec 11 plaintifs en faveur de plus que 16 000 personnes qui étaient en bas pour. Et tous les 11 plaintifs, ça, ils sont actuellement aux États-Unis? Non, tout pas aux États-Unis. Mais je veux dire, nous avons 4 là d'ailleurs qui sont aux États-Unis, inclus compatriote Mirad Joseph, qui était dans cette salle-là, côté que le juge a été figure, le juge a été que c'est le monde que y a, le juge a été que c'est nécessaire pour lui accorder nos faveurs pour nous continuer. Car. Monsieur Sarr, c'est un dans mon agent Texas qui a fait un coup de rasso en bas de Del Rio au Texas. Eh bien, là, dis-nous, qui j'en ai senti après la décision du juge là? Bon, je dis à me sentir content parce que moi, ici, dans le tribunal là, parce que c'est la première étape dans le dossier. Hein. Faut que je pense que le dossier a fait poursuite là. Et puis, pour nous faire justice comme ça doit. Deux avocats qui étaient représentés au gouvernement américain dans le tribunal là ont insisté sur raison. Ils croient que le juge là doit laguer plainte dans la poubelle à cause de la loi sanitaire titre 42 n'a pas existé encore. Et accepter parti plein yo ajouter plus de victimes dans le dossier a bay un mauvais exemple. Avocat qui pas de faire aucun commentaire sur la décision juge là, excité pour dire il a appliqué décision tribunal là. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Pour aller dans le pays d'Haïti, parti politique AC, mandé libération président Patia, dans le pays d'ancien député Charles Sansi, qui ferme dans le pénitentiaire national depuis environ un mois. Nous allons joindre et collègue nous, Emmanuel, pour plus de détails. Ancien président de la Chambre des députés, Charles Sansi, fermé derrière 4 mirailles depuis environ un mois, après la justice de fin tendel dans 4 dossiers d'étonnement matériel, centre national, équipement. Yo. Pendant temps ça, partisans, ces partisans et collègues politiques liés pas suspend organiser conférence avec protestation pour clamer innocence li. Porte-voix partisan Leslie Alexandre fait qu'on est c'est sous base faux accusation président en prison. Cependant, il espérait la justice a travail pour établir intégrité li. Président Chancy jodi a détenu en prison sur des accusations fallacieuses sans fondement. Ancien député Patrick Joseph Bokodepal dénoncé aspect illégal et arbitraire arrestation ancien président chambre député a, qui mettait tout au nid défaillant système justice haïtien. Vous constatez que arrestation ancien président de la chambre des députés Joseph Chancy c'est une bavure judiciaire. En plus et c'est une arrestation qui mettait à nu système judiciaire là et qui montrait toute défaillance, toute faiblesse qui gagne dans le système judiciaire ça. Directeur parti politique Alliance pour une société sans exclusion réclamait libération pressée et sans condition ancien député Henry. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Dans notre programme de mini-actualité, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken trouvé en Argentine, côté le rencontrer avec le président argentin et Milei.
Et visite ça arrivait justement après visite deux jours, bien après rencontre deux jours, et c'est que le chef diplomatique américain s'est fait dans, au Brésil, côté de rencontré avec l'autre leader dans le cadre de rencontre G20. Dans la déclaration, le secrétaire d'État a fait dans l'occasion en Argentine, et bien il dit t'as pas eu d'Israël, et bien il dit que lui, il croit que c'est droit Israël gain pour défendre tête li dans l'attaque, il dit prétendre que Israël a déposer faire contre lui ou bien te faire contre lui en 7 octobre là, mais il était quoi que Israël gain droit pour lui défendre lui. Alors comment est-ce arrivé tout après critique qui était faite après États-Unis était posé veto sous dernier résolution qui était de dans Nations Unies côté il était pour une troisième fois États-Unis était posé veto sur qui était vlé ou bien qui t'a demandé pour dossier ou bien encore pour un cessez-le feu immédiat fait dans le territoire Gaza, donc pour Israël, ils font camper sous la guerre, mais États-Unis, ils ont continué à marcher, ils ont continué à parler toujours de possibilités pour rejoindre la libération otages et pour que l'assistance humanitaire arrive dans le territoire Gaza et que pour que Israël lui-même, ils font camper tout sous attaque dans le territoire depuis après 7 octobre 2023 et 2024, en 2023, date que et groupe Hamas a été dans son attaque en Israël, côté où il était prend plus passé 200 monde en otage, était tué près de 1200 monde, d'après ça, autorité israélienne te fait connaître. Dans l'autre programme de minatoire, il y a un groupe étudiant de la faculté de droit avec sciences économiques manifesté pour demander libération professeur Jean-Oudi Vital qui en bas main ravisseur depuis la convention semaine. Mathia Dovilme pour plus de détails. N'a demandé libération professeur Vital sans position. N'a demandé libération professeur sans position. Et la responsabilité. Ça qu'a fait là nous gétons wène prendre un complot. L'État gang avec l'autre gang qui met yo pour laguer professeur. Un professeur pas gagne moyen vrai pour ta bagaille. On va il fait dans 10 ans. Si on demande non un mois là, non ba il fait dans 10 ans commander l'idal ba il et tout rester dans misère extrême non. Et toute condition réunie pour verser à ta partie, même si tout le monde a l'an Biden, il choisit d'aider la société en autre forme pour le signer des changements. Et puis tout en champ, côté que les gens font bien être élevés, génocide par substitution. Ça veut dire que nous debout. Côté que nous avons l'autre espoir que c'est voyager, aller vivre de l'autre côté. Pour nous penser à bien vivre pendant ce temps, c'est aider à parler de l'économie de l'autre pays avancer. Il y a crasé nous. Mais nous-mêmes, en tant qu'étudiants, en tant qu'avant-gardistes, nous, les gens qui connaissent pour ECA, ils ont une vie modeste à mener. Même machine, son machine n'est pas 10e main. Ça n'est pas un moyen vrai pour mon ta vie rançonner lui. Ça veut dire nous sommes prêts de vendre, avant de faire tout ça qu'a fait là, nous lançons ce message-là, dit pas un moyen, pas besoin de torturer lui, matériser lui, pas un cop, pour pas un cop, c'est libéré. C'est Pierre Wood, invitation professionnelle dans la faculté qui enseigne la comptabilité au niveau première année. Mais nous disons que. Pierre Oudi Vital toujours fait tout sacrifice pour lui venir là, pour lui venir enseigner, pour lui venir nous petit temps que lui-même lui gagne pour lui faire la faculté. Et nous-mêmes, en tant qu'étudiants, nous déjà avons 40 professeurs. Surtout dans le moment où là, cadre a quitté le pays. Et si nous jeunes grand professeur qui a fait sacrifice pour nous là pour le venir ba nous grand leur qui dédié à lui-même là, lui supposé qu'a fait en tout et qu'est posé. C'est dans souci ça qui fait nous-même nous prend la rue là en tant qu'étudiant pour nous dire pour nous demander libération professeur Vital parce que ça pas ca passer comme ça dans pays. Nous tout pas ca quitter pays. Et si jeunes jodi à nous-même nous choisi rester l'école pour nous apprendre pour nous te ca aider pays à sortir nos série de bagages demain, faut que nous ca faire en toute quiétude. C'est dans souci ça nous-même nous prend la rue pour nous demander de libération pour professeur Oudi Vital. Libération professeur. N'a demandé libération professeur. N'a demandé libération professeur Vital sans position. N'a demandé libération professeur sans position. Ça va bien longtemps, une équipe s'est que là tu visité Nouvelle-Orléans en occasion carnaval qui t'a gagné. Mais pendant ce temps ça, alors dans l'équipe là tu gagné Valérie Saint-Louis, tu t'es profité aider nous découvrir aspect qui m'a connu ville Nouvelle-Orléans avec pays d'Haïti. À part touristes, à part l'histoire qui gagne dans ville Nouvelle-Orléans, gagne côté mystique là. En pile monde marche dans la rue le soir la journée et puis y aller soit dans magasin ou bien soit dans boutique qui vend antique vaudou ou bien yo fait ça yo les leçons. Il a fait et on lecture. C'est ça nous allons faire là, puisque c'est tradition dans la ville Nouvelle-Orléans. Une tradition historique qui, depuis l'année 1929, établit une réputation dans le quartier qui est les French Quarters, qui signifie carré français, qui est un centre commercial dans la ville Nouvelle-Orléans qui est plus populaire. Souvent, on parle de quartier ça comme plus ancien centre commercial dans l'Amérique.
A pas de activité commerciale dans quartier ça, gagne tout activité mystique au soi psychique. Et quartier ça considéré comme côté que moun natif natalio fait lectif psychique qui pis sérieux dans New Orleans. Service ça yo bail surtout la nuit, côté que touristes moun kap visiter villa le soir, yo kon al chercher fait leçon, bat kat, fait moun li men yo pour joindre réponse sous ça kap bouleversé dans le présent ou dans le futur. Dans mitan la rue a, dans corridor ou bien sous place publique là, sous youti tab, yal parler avec sa yo rele youn divino. Nous te chita avec yon nan yo. Nous te mande s'il te connaît sa ke yore le voodoo haïtien. I understand the voodoo here and I know many many practitioners of voodoo. Moi comprends voodoo a et moi connais en pile monde qui pratique voodoo ici là. Et moi respecte l'en pile. Et voodoo a associé avec catholicisme. Mais gen cathédrale Saint-Louis en qui là derrière do là. Moi pas pratique voodoo moi-même. Nous te profite mandel tout qui ça loué dans quatre qui devant li yo. Li te fait un lecture psychique pour VOA. What do you see for the company that I work for, which is Voice of America? I see good things already. Moi ouais bon bagay déjà. Juste parce que nous chita ensemble, ça pas fait par hasard. That's a good one right there. I see Voice of America making many connections. Moi ouais la voix d'Amérique pral fait en pile gros contact qui profitable pour lui. En pile bon bagay à travers le monde. What's that one? Now, if I read this one too, along with this one, let's just stop right here. This is pretty good stuff. Ça c'est un très bon cas. I'm a believer in the spirit, okay? I'm a believer in the spirit. I'm a spiritual man. Moi, quoi dans l'esprit, yo? Moi, c'est un monde spirituel tout. Quatre ça ouais là, c'est quatre chances. Quatre ça ouais là, c'est pi bon quatre chances. Quatre ou deux pi content pour lui. C'est pi bon quatre ou quatre tiré dans parmi toute l'autre, yo. Ensemble avec quatre ça, moi ouais bon bagay pour la voix d'Amérique. I believe that there are angels watching over you. Moi ouais gen zange kap veye sou nou. Et nous prenons loin, côté qu'une pas de jambes aller avant. Le plus souvent, ils ont chargé $40 pour une session. Et session qui a duré entre 45 minutes à 75 minutes. Tout dépend de vibration, énergie psychique que Divino a ressenti. Ou bien tout ça dépend de si gon l'esprit ou bien un fantôme qui t'a parlé dans l'oreille pendant que tu as battu 4 là. Je ne sais pas si ville Nouvelle-Orléans sont ville qui très mystique. Quand pile le monde qui croit que boy ici a dans ville ça gagne fantôme, gagne zombie, vaudou a existé. À part de vaudou, nous ouais monsieur Saxotli ou 4 pour nous. C'est comparé à ça nous relé la caille là, on monde qui saute font le son, ta font le son. Le son il saute fait là pour la voix d'Amérique, Voice of America, VOA créole, et ben c'est 2-4 sœurs qui sauti. Sous quoi la donne, c'est choix pas. En tout cas, boy ici a dans New Orleans tout côté dans chaque coin là où nous allons garder la scène à soi dans la nuit mon a fait quatre mon a fait le son et mon quoi dans Jean de Barisseur pouvez voir créole Valerio Saint-Louis depuis New Orleans. J'aime bien ajouter Serge Rodriguez avec Gideon Ansri pour Nouvelle Souveraineté. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Creole, côté nous pour aborder plusieurs sujets. Nous avons eu un rendez-vous avec l'acteur américain Sterling K. Brown qui joint une nomination Oscar pour la première fois. Et deuxième, nous avons eu un rendez-vous avec chanteur R&B haïtien-américain Jason Derulo qui pourra sortir un disque dans CD ça, il était fait en chanter avec Mika Ben. Acteur américain Sterling K. Brown a déjà remporté plusieurs trophées pour travailler dans Hollywood, puisque il a déjà ramassé 3 prix Emmy, un prix Golden Globe, mais il a avec un autre trophée Screen Actors Guild Award. C'est pour raison si là, monsieur était cool dans le brisant dimanche matin, dans 4 premières nominations l'Ijouen, fois ça, pour un tir statuette Oscar, pour nous citer Jacques Jean-Baptiste. Pendant l'ange qui déroulait dans le mois février, ça, pour acteur qui jouait une nomination Oscar, Sterling K. Brown déclaré par l'agence Nouvelle Reuters, moins j'ai même état d'esprit avec Vince Lombardi, là où fait un goal dans le football des épaules carrières américains, où vous faites comme si vous étiez passé sous chemin ça déjà. Moi, je réagis comme si de rien n'était, une façon, pour être capable d'inviter mon corps, n'est-ce pas? Et qu'on y en a passé quand on a battu de onze pour lui raconter nous ce qui a passé dans HMA, dans l'État Floride, particulièrement dans Miami. Jude, jouette pour. Rite musical, compas direct, soliste pour vignon patrimoine culturel immatériel de l'humanité, selon une note pour la presse qui se tient bas plus ministère culture et communication dans le pays d'Haïti. Dossier candidat du compas a déposé et finalisé devant UNESCO, qui c'est Organisation Nations Unies pour éducation, sciences et culture avant date 1er mars 2024.
L'autre nouvelle, c'est dans page Facebook li que artiste Yol de Rose annonçait que Zef Musical qu'elle créé avec Defe Marie le chanteur Anti de Rose, désormais assumé par B Relations Publishing, qui est une compagnie spécialisée dans protéger droits d'auteur pour artistes. Yol de Rose fait qu'on est dans notre là, il y a des entités artistiques connues qui ont exploité création musicale pâle avec Anti de Rose sans autorisation dans internet. Nous t'ai parlé à un responsable B Relations Publishing qui t'a confirmé pour nous que non seulement il y a défend droit création musicale Yola Anti de Rose, mais tout il y a un latrier artiste haïtien qui en bas zèle pour défendre droit yo. Bon week-end tout le monde.